Voyons voir ça. Alors paraît-il que là, carrément, il n'y a pas d'armes. Le mec, il doit tout tuer à la main. Nouvelle partie, continuez, voilà. Attends, je suis où là? J'ai dû en utiliser un. Il ne reste plus qu'un. C'est bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Ok, ça c'est au moment où la gamine meurt. Quoique, même pas, vu que c'est encore la nuit. Qu'est-ce que... On a quelqu'un ici. Hey. Je crois qu'elle était dans le dossier. Qu'est-ce que vous foutez? Ouais, c'est bien elle. Zoé Baker. Elle respire encore. Il faut prévenir le QG. Vous avez dit Zoé? Monsieur, vous vivez ici? Mais qu'est-ce qu'elle a? On vient vous aider. Est-ce que... Bon sang, qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur. Arrêtez, arrêtez. Enfin, pour des mecs qui sont censés être l'élite de l'élite de l'élite. Ils sont couillonnés à chaque fois comme des merdes. Quoi. Ah, elle a de la gueule comme ça. Moitié cristallisé. On est là pour vous aider. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Dis-moi, depuis quand les secours débarquent avec des hélicoptères de combat? T'as aucune idée de ce qui se passe. Tu saisis pas. Tu penses que je sais pas qui vous êtes? Avec tous ces... monstres qui rôdent dans le coin. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est pas ce que tu crois. Tu comprends pas! Ah, je comprends pas! Tu vois cette fille là-bas? Regarde! Ça, c'est la gamine de mon frère. Ma nièce, tu comprends? Et par ici, la famille, c'est quelque chose de sacré! Alors, je serai pas à ma famille! Il est hors de question que je vous laisse faire. Pour la dernière fois, elle est infectée. Elle va mourir. Et nous aussi, on va crever si on se tire pas d'ici tout de suite. Elle est pas encore morte, du con. Alors je te conseille de faire quelque chose pour elle. Avant que je te donne à bouffer à tes petits copains. C'est bon, c'est bon. Il y a un remède. Tu te fous de ma gueule? C'est la vérité! C'est la vérité! On était sur le point de lui amener le traitement! Avant que tu viennes tout foutre en l'air! Ils nous attendent sûrement encore à l'heure qu'il est! Où ça? Ok. C'est un mec très compréhensif. Il est dans une vieille cabane, pas très loin d'ici.
C'est là-bas. Je le jure. On va arranger ça, Zoé. T'es ma famille. Ah, on va en voir des crocodiles, peut-être. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'avait rien d'un alligator. Je suis sorti vérifier les lignes. Trois dans la mâchoire, pardon. Ok. Alors, par contre, lui, donc, il n'a pas d'arme. Ça, c'est quoi, ça? Manuel de survie de Zoo. Vos poings nus, durs comme de la pierre. Oui, d'accord. Eh ben, laisse-moi lire ça. Joe Baker. Comment tuer ces choses? Leur corps à boîte résistant, leur tête est plutôt molle. C'est là qu'il faut frapper. Les enchaînements de coups de poing qui fonctionnent bien. Gauche-droite, puis une série de droites rapides. Ok. Droite-gauche-droite, et un puissant gauche pour finir. Leur tête peut facilement être écrasée sous la semelle quand ils sont à terre. On peut s'accroupir et se faufiler derrière eux quand ils ont le dos tourné pour les tuer par surprise sans même avoir à combattre. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Gauche-droite, droite-droite-droite, et droite-gauche-droite. Gauche-droite. Non, je dois me planter. Gauche-droite, puis une série de droites rapides. On verra bien. Ok, bon, on est parti. Maison de Joe. Et bah, il aussi il a un coffre apparemment. Il peut enregistrer. Fluide chimique. Parce qu'à mon avis, lui, il va falloir de la vie, c'est clair. Comme il n'a pas d'arme, ça va être tendax. Hein. Ah bah c'est quoi ça? Ah d'accord, on peut s'entraîner. Bah, très bien. Enchaîner R2, R2, point. L2. Non, alors, L2, R2, R2. Je dois me planter. L2, R2, R2. Bah oui, c'est ça, mais ça fait rien. Ah bah voilà, ça y est, ok. Je comprends pas trop comment ça en enchaînant les coups de poing dans cet ordre. R2, L2, R2, L2. Alors attends, par contre, on va le faire dans ce sens-là, comme ça, il va pas se balancer. Ok. Là, on s'en va garder.
Par contre, il a pas mal d'emplacements. Bon allez, on est parti. On va voir ce que ça donne. Appuyez sur triangle pour orienter, puis R1 pour les combinaisons possibles. Ah, tu vas me dire qu'il se nourrit de vert géant? C'est dégueulasse. Langouste, ah, c'est bon, j'aime pas ça, mais c'est déjà plus que... Ah, ça change, alors, autant t'as Chris qui est hyper technologique, qui a toutes les armes qu'il faut, et là t'es vraiment, c'est l'entité. Espèce d'étron ambulant. Je peux tous vous prendre à main nue. Allez, d'accord, c'est vraiment thèse antithèse quoi. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Apparemment, il peut les attaquer en mode discretos. Ça passe pas mal, ça. Merde, là, je l'ai perdu. Du gros délire, c'est du gros délire. Alors toi t'en chies dans le jeu de base pour les buter, et lui il arrive, il est démonté à main nue, tranquille, démolir. Ah oui, d'accord. Ah mais mec, la brute épaisse quoi. C'est quoi ça? Poupée boxeur. Collectionnez poupée pour améliorer votre force d'attaque. Ah c'est pas mal ça. Un centipède. Je sais pas, j'espère qu'il va se taper que des petits, les colosses et tout. Ah, c'est quoi ça? Putain! Oh, quelle horreur! Écraser. Ah mais écraser la tête, ça aurait été plus intelligent. C'est pas grave. Ah, il est mort quand même. Il est mort quand même. Je sais pas. Oh putain.
Hein? Putain? Non. Mais, il se passe quoi là? Non, non, non. Oh, putain, des alligators. Putain, c'est passé. Oh putain, ils sont mutants en plus, les bâtards. Allez, la petite. Ah si, elle est là. Tiens bon, Zoé. Merde, pourquoi ça marche pas? C'était pas plein, c'est ça? Ça suffira pas. Il va te falloir une dose entière pour la guérir complètement. On en a encore à la base. Détache-moi et t'y amènerai. Allez! Quelle base? Oh putain! Bon bah, au revoir. Elle leur amène. D'accord. Faut que je sorte Zoé d'ici. Ok, on prend la gamine. Enfin, la gamine, je sais pas qu'elle avait là. Ah putain, mais c'est quoi toi? On peut pas rester là. Ok, donc pas le temps de s'attarder. Je sais pas, faut aller par là. Non, je sais pas. Ça, tu vas dire qu'il faut qu'il aille dans le bayou? Ça va être quoi que l'eau? Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être dans une saleté de film d'horreur. Non, sans déconner. En tout cas, j'adore son look là. Okay. Elle peut pas rester comme ça. Tout va bien, Zoé. Pardon, c'est bon, je suis à la queue, mais je vais la rendre. Bon bah, au revoir, sa cabane. Ah putain, c'est quoi ça? Il est là. Ah ouais d'accord, c'est Swamp Thing quoi, c'est les choses démarrées. Le soldat a dit que les Médocs étaient dans une sorte de base. Depuis quand est-ce qu'il y a un mur ici? Ah mais ils ont confiné la zone. On dirait que quelqu'un a laissé les lumières allumées. Allons voir ça. Fais pas, Zoé. On y est presque. Ok, 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 ok. Hop, là j'ai vu qu'il y avait une cabane, effectivement. Voilà la base. Tiens, regarde. Tiens, mais c'est quoi, c'est quoi? Allez, pas maintenant, l'alligator. Eh, bah, viens pas me faire chier. Ok. Tu seras en sécurité ici. Ah, c'est ouf, hein. Je voulais les voir, les crocodiles, et bah je vais les voir, les crocodiles. Attends-moi là. Je vais revenir avec quelque chose qui va te requinquer. Vas-y, dégage de là, toi. Qui va te requinquer. On peut sauvegarder. Je vais sauvegarder, parce que là, je sais pas dans quoi je m'embarque. Les crocodiles, je sais pas.
Ah, j'ai pas fait une sauvegarde ici, non, peut-être pas. Bon, j'ai vu qu'il y avait une petite statuette là-bas, on va aller voir ça. Alors les crocos là, comment on s'en charge? Bah, comment on s'en charge? Est-ce qu'il faut les éviter ou on leur tape dessus comme toujours tout? Côté, okay, c'est pour revenir dans la cabine. Ouais, bah pour une base sécurisée, c'est mal barré. Oh, puis là, la porte est même pas fermée. Alors attends, voyons ça. Là, on va se faire vite. La prochaine nuit par derrière pour le tuer par surprise. Oui, merci. Tu sais pas trop ce qu'il foutait, il était en train de finir de bouffer quelque chose. Oh putain, il y en a un là. Ok. Bon, ils ont pas un champ de vision. Que j'essaye ça aussi. Et à mon avis, lui, il est pas trop PC. Là, j'en entends un, hein, je sais pas où il est. Merde. Oh, ça va. C'est que c'est le même qui se régénère ou pas? Oui, c'est bien ça, il y en a encore un autre. Oh, mais il est là. Il est là, ouais. Apparemment, ça donne juste là, donc. Et là, la porte a l'air fermée, je peux pas revenir en arrière. Ouais. Et bon, on y go. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est la prochaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lance? Ah bah c'est pas mal ça. Ah, comme quoi il a quand même des armes. Bestiole, peut être combiné avec du fluide chimique pour créer un objet de soin ou manger avec elle pour récupérer un peu de vie. Wow. D'accord. Vu qu'il a pas de munitions, lui, on s'en fout, on fait que des objets de soin. Lance. Par contre, il en a qu'une. Ok. Viser, lancer. Bon, ça me rappelle. Comment ça s'appelle? Far Cry Préhistoire, quoi. Je sais plus comment il s'appelle le titre. Oh, tiens, encore un boxeur là. Encore sauvegarder ici. Ouais. On est ici qu'il va y avoir un truc. Hein.
Merde, bateau à vapeur. Bateau à vapeur. Les gars, vous ne facilitez pas la tâche. Ah si, il y en a un, colosse. Ah, comment tu... Ah bah non, c'est l'autre. Il ferait mieux de rester où tu es. Et d'accord, bah, comment je fais pour l'éviter, lui, là? Swamp Thing. Je vais d'abord éliminer les ennemis appropriés, d'accord. Bah, il va me démonter la gueule, c'est sûr. Hein. C'est la dernière fois que tu t'en prends à nous. Oh putain. Oh la foire. J'ai l'intention de mourir à ce que je vois. Ah d'accord, il fonctionne par zone. Ok. Là, je me dis, putain, j'espère qu'il va pas me courir après tout le temps. Ah. Ok. Ça, c'est quoi ça? Ah, encore un petit boxeur. Une poupée sinistre utilisée pour la nuit noire. Chaque poupée dans votre inventaire augmente votre force d'attaque de 1%. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ok. Je... Ok. C'est pas... Ça, c'est quoi ça? Il va retrouver un autre bear. Hein. Je sais pas si c'est le bear. Rien que de le voir dans l'image, ça veut. Ça, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Ah! Donc, ce serait comme ça qu'on se débarrasse des crocodiles. Ok. Les lances, ça sert pour les crocodiles. Il y en a un autre, effectivement. Bah, il y en a un juste là. Par contre, je vais voir, est-ce que je peux passer sans qu'il m'attaque? Merde. Oh, forêt. Attends. Je vais voir, il y a quoi par là? Vu. Oui, il m'a vu, ça sert à rien de... Putain. Ah, c'est des lances, ok.
Ça se trouve, il va y avoir un croco géant. Ça me rappellera quelque chose. C'est pas impossible en plus. C'est pas impossible qu'ils te mettent un croco géant. Ah oui, ok. Quoi ça, c'est un bateau? Non, c'est pas un bateau, c'est une espèce d'usine, je sais pas trop. Et donc là, tu peux retourner. Ok, alors en fait, ok, c'est comme ça, t'as pas besoin de faire tout le tour. Je sens que l'autre il va le choper, il doit pas être loin. Si, c'est un bateau. Pas du tout. Excellent, tu vois tout ce que tu as fait. Donc, il doit y avoir un moyen de redescendre. Oui, ok. Ok, c'est par là que tu retournes à la cabane. Y'a quoi là? La ferraille? Ouais, je sais pas trop pourquoi tu veux. Ça te sert à quoi la ferraille? Un tas de ferraille inutilisable tel quel. Oh, ça se trouve, tu peux. Pourquoi il doit pouvoir se fabriquer des armes quand même? Ah, si, c'est un bateau. Putain, mais par contre, ils ont mis des trucs de sauvegarde absolument partout. Là. On peut pas aller là. Tiens, encore un. D'arbre, donc ça, ok, ça j'ai compris, c'est ce que tu combines avec ça, voilà. Ah, ça fait une lance, ok, je m'attendais pas à ça. Oh putain, mais il est dégueulasse lui. Alors là, j'y vais à l'arrache. Oh, si ça va, elle l'a eu. Par contre, ça va, lui, il a une dégaine. Par d'ailleurs pour le tuer par surprise.
Ah, il y en a un là. J'ai vu son problème. En fait, ouais, je pouvais passer par là, je pouvais le tuer sans me faire voir. En fait. Et par là, il y a quoi? Ok, donc il doit y avoir un mec. Bah, c'est quoi ça? Ça doit être le remède. Ok. On peut pas jouer Louis dans le jeu de base. Ah, ce serait énorme qu'on puisse le débloquer dans le jeu de base, ce perso. C'est son carnet. 6. Et donc, oui, bah, faut passer par là. T'es obligé de faire tout le tour pour aller là où tu veux aller. Ok, c'est à dire qu'il vaut mieux passer par là, je pense. Il doit y avoir ouais, on va le tenter par là. Poupée champion. Ah.
Les poupées sinistres, 5%. Donc 5 plus 6, tu as 11% plus de patates. Oh, il est où là? Merde. Alors, hop, l'autre, on va le prendre un peu plus. Par contre, la 2 à la fois, c'est un peu tendance. Il est là, là. Ah, ils sont même 3. C'est qui a eu le gros là? Coup de grâce, R2. Voilà. Il est au troisième. Il est là. Ok. Ça va, il s'en sort bien quand même. Il s'en sort bien quand même. Une brutasse. Ouais, donc c'était bien celui qui était là. Ouais, pour le coup, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de passer par entre la cage. Mais... Merci. C'est la photo de la gamine. C'est quoi ça? Ah, j'ai cru que c'était une clé. Ah, merci, une lance. Vas-y, prends-la. Tu veux voir un truc? Allez, mais je peux la récupérer. Ok. Ah mais d'accord, mais c'est là en fait, et l'écran il est là. Ah oui, ok, j'avais pas percuté. Quoi? Oh, c'est pas vrai. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. Ah si, ça a marché. Et voilà. Enfin. Voilà. On va prendre ça en photo quand même parce que c'est pas courant. Là, tu vois que le jeu il est pas super net quand même. Hein, parce que c'est pas. J'aurais dû sauvegarder avant. C'est pas grave. Et il fait quoi là? Il arrache les tripes? Il se passe quoi là? Faut que je fasse un truc? Ah, c'est vraiment bizarre. On verra des sauvegardes alors. Oh putain. Ok. Tu me cherches? Tu vas me trouver pour ta tienne. Ah, c'est vraiment Swamp Thing quoi, c'est clair. Ah putain, il a ramassé un truc là. Prends ça. Prise de catch. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, le mec il a pas peur. Allez, vas-y, continue de s'abattre. Oh
Ah merde, j'ai pas vu le deuxième coup arriver. Coup de grâce. Alors, c'est qui le patron? Ah putain, la tête, elle est encore vivante. J'arrive, Zoé. Là, j'ai vu qu'il y avait un coffre, je sais pas comment il se démerde avec ça. Ah, c'est pas du tout un coffre, c'est un remède, ok. J'ai cru que c'était un coffre. Par contre, sa vie, ouais, c'est juste le bord de l'écran qui l'indique, ok. Ouais, c'est ça, et là on retourne à la cabane. Coupé champion. On va sauvegarder par contre, alors ça fait quoi? Ça fait 10 et j'ai 18%. Voilà, tranquille. Zoé, j'ai ton remède. Tu vas t'en sortir. Ah, il va prendre la note. Enfoiré. Non, Zoé. Bon, bah, il n'y a plus qu'à suivre. Zoé, où es-tu, ma puce? Où sont-ils passés? Ah. Hey, laisse ma famille tranquille, du con. Mais excellent, ça fait oh, c'est vraiment la créature des marais, mais c'est ouf. Crois pas que tu vas t'en tirer. Ça a coupé, ça va peut-être arriver. Ça serait énorme que ça finisse dans le baraque, mais normalement non. Bon sang. Bah là, c'est contaminé, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Très bon. Il y a quelque chose. Ah, le pompon. Il doit pas être bien loin. Salle de sauvegarde debout, zone de quarantaine 1. Ok. Bon, à mon avis, ça va finir pas loin de la baraque quand même. Je regarde même pas, il y a peut-être des trucs à récupérer, je pense pas. Ou des petits boxeurs, il n'y a pas des petits boxeurs? Ah, il y a un truc dans l'arme à récupérer, un verre. Thank you.
sauvegarder. Non. C'est quoi ça? Deux écrevisses. Des langoustes. Ah ouais, c'est dégueulasse, ça traverse. Alors, foiré de tasse. Oh, ça sent le piège à con, ça, il y a un truc là. Il va y en avoir un en vrai en dessous, tu vas voir, un truc comme ça. Là, il y a un vrai. Pas trop où il faut aller. Rien de pire. Non, y a rien en fait. Consomme une lance pour récupérer une lance, donc ça ne sert à rien. Salut. Oh, ouais, c'est pas vu.
pouvais passer par... Non, 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 mais descend pas, gars. C'est juste que tu pouvais passer par là. On va à une église. Ah bah carrément, on arrive quelque part. Une bombe artisanale, tiens, c'est intéressant. Histoire de lire quoi, mais bon. Même sens, ouais, ça je peux le poser aussi. Ça va. Alors lui pour le coup c'est vrai, comme il a pas d'armes, son inventaire n'est pas encombré. Soit en haut, soit en bas. Bon, on va rester en haut. Bon bah ok, on va descendre. Ou alors j'ai un truc que j'ai pas compris. Ouais, non, j'ai pas fait gaffe. C'est quoi ça? Ah, enfoiré! Putain! C'est la deuxième. Oui, bon, on va pas s'attarder. Regarde, il y en a deux. Oh merde, la même croix. Putain. Il faut essayer de rester en haut. Oh putain, t'as plein de lances là. Ah,
Enfin, évidemment qu'il va y avoir 15 000 crocos avant d'arriver là. À mon avis, faut aller jusqu'à l'église, hein. S'ils te l'ont mise, c'est pas par hasard. Et c'est, il apparaît là. Il l'a eu ? Ah, pardon. Ok. Oui. Je te vois toi là-bas. Enfoiré. Il y en avait un deuxième, c'est que... Putain. Oh, y'a. Et bah comme ça, je suis tombé. Alors ça va combien hein? Quasiment à 30%. Il est où? Et là. Ah, je m'en doutais, à chaque fois que ça se fait avoir, il y en a plus tirs. Oh.
Ah, un géant. Alors attends. C'est dégueulasse. Pas mal. Ah. Putain, c'est les mecs les plus balèzes qui me posent le moins de problèmes, j'ai l'impression. Y'a quoi là? Y'a rien. Oh, ça, ça sent la salle de sauvegarde. C'est évident. Je suis à 130%. Ah bah on arriverait bien à l'église là, apparemment. Ah bah tiens, oui, voilà. Eh, fais voir. Ça va. Là, le truc qui me donne un max de soins, ça sent pas bon ça. Alors ça, c'est putain, ça, ça me... Oh putain. Ça, ça... Dégage de mon chemin, gros là. Merde, il y en a là. Ah, bah, sont où les mecs? Ils sont où? Par contre, le gros, je sais pas comment je vais le baiser. Parce que... Pause. Je me fais avoir tout le temps, ça, ces cons-là. Je l'ai eu. On en est où, là? On y arrive à l'église. Ce serait peut-être bien la fin du niveau.
Je pense pas, je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est quoi ça? Voilà, boxeur. Il a fait quelque chose là sur la pancarte. Il a fait que dalle. Ah, c'était évident. Par contre, je sais pas du tout si c'est la fin du niveau ou pas. Ça, ça dépasse le sacrilège. Ah bah c'est son neveu qui a fait ça de toute façon. C'est qui? Jack, c'est pas vrai. Hop, il l'a mis dans une tombe, en forêt. Putain de merde, Jack! Tu reconnais même pas ton propre frère! Ah putain, mais alors lui il est vraiment incroyable ce putain d'enfoiré. Putain, il est mort, je sais pas combien de fois dans le jeu. Je t'interdis de la toucher! Jack! Laisse-moi sortir, putain! Je suis ton frère! Comment est-ce que tu peux me faire ça? Fais-moi sortir d'ici, t'attends! Il me balance dans l'eau? Ouais, le vide. Par le vide. Comment ils sont les sorties? Merde. Oh la vache, Jack. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez-y, y a pas d'explication, c'est juste voilà, ils sont les sorties comme ça. D'accord. C'est quoi tous ces bateaux là aussi? Umbrella, donc là c'est les mecs qui sont débarqués. Donc, à mon avis, on n'est pas loin de la fin quand même. C'est pas plus mal. À nous deux. Donc là, on devrait en débarquer pas loin de la baraque. Ça serait ça? Je sais pas du tout. Par contre, là, je me précipite un peu trop, parce que vous voyez. Donc là, j'aimerais bien que ça se termine. Oh mais putain, allez ça rigole pas là. J'ai des lances. Putain j'ai plus de lances. Bah là un par un je vais bien faire mais là on va essayer que je m'en sorte. Il me faudrait un goulot d'étranglement. On va fuir hein. Parce que à 4 ça fait un peu chaud quand même. Quoi par là? C'est parce que ça a l'air d'être par là en fait. Ouais, non, c'est pas exagéré, il baisera pas les. Tiens, on va essayer de les baiser là. Là, là ils peuvent passer qu'un par un. Thank you.
Ok. Ouh. Tant date quand même. Donc là, on est bien d'accord. Ah si. Apparemment, il peut pouvoir passer. Mais... Donc c'est la barre derrière ou pas? Je sais pas du tout. Si, ok, oui, ça correspondrait. C'est là que j'avais récupéré le sac à dos. Ah oui, ok, avec la mer et quand tu te planques et tout, ok. En fait, là, c'est le jardin. La roseraie. Ah. Mais il récupère une... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un de leurs nouveaux jouets. Et il va défoncer la porte en fer avec ça? Ça serait énorme. Prêt pour utilisation. Puissant coup de poing du gauche, L2. Bon. Allez, ça se charge. Maintenez pour charger charge l'attaque. D'accord. Charge complète. Oh la vache. Voilà. C'est peut-être ce qu'il me faut pour me débarrasser de Jack une bonne fois. Excellent. Pivoté. Zoé Baker, Sam. Ok. Moi, je sauvegarde histoire de dire, j'en ai pas vraiment besoin là, sur le coup. Et donc, ça, on revient dans la barre. Pendant que je vérifie dans une prochaine partie si on voit la porte dans le jeu. Il me semble pas, justement. Il me semble pas, il me semble que c'est que du bayou ici dans le jeu. Que j'avais regardé. Et donc, ça, on revient dans la maison. Là, c'est bouché. Ah, attends, ça c'est les bombards refroidés. Vous avez pas vu, vous, les enfoirés. Ah, d'accord, c'est le problème. Hors de ma vue. Il faut revenir à la maison principale, je suppose. Tiens. Ah, ils sont tout pétés. Bah, tu peux pas y aller. Bah, tiens, tiens, j'ai bien fait de regarder quand même. Poupée champion, cool. Après, je sais. Bah, non, la maison, elle est pas si loin que ça, hein. Il doit plus être bien loin. Ah, bah, non. Alors, est-ce qu'il faut entrer dans la. Ah, bah, putain, là, il y a un mec. Ah d'accord, c'est que j'avais tout perdu en fait. D'accord. Là, on va arriver devant la caravane. Ah, ils ont établi un camp. Ok. Ah, ça c'est pour rentrer dans la maison. Ah, ils avaient massacré. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ah, par contre, on peut pas retourner dans la caravane? C'est ballot. Si, peut-être en passant par là. Un coffre. Les objets perdus ont été placés dans le coffre. Merci. Et d'après, il y a des documents. Alors, on va lire. Qu'est-ce qu'il y a à lire? Ok, ça c'est le gant qui l'a récupéré. Et ça c'est quoi? De particulièrement particulier en gros. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc déjà tu me redonnes tout ça là. Redonne-moi mes petits boxeurs. Voilà. Ça fait 20. Ça fait presque. Ok. Ça redonne-moi mes lances aussi. Les bombes artisanales. Bestioles, ça c'est de la life. Ok. On va tout prendre de toute façon. Bestiole aussi et remède de premier soin. Et ça c'est quoi? Bestiole aussi, c'est de la vie. Donc en fait on a tout repris. On va sauvegarder. On va ranger un peu ce bazar. Ça c'est le remède. Sauvegarder et rester retenu contre le mec dans la baraque. Je sais pas trop où il est dans la maison. Je pense qu'il est juste dans le hall là. Je pense qu'il faut pas chercher plus loin. Ça va être logique. Il va juste être dans le hall. Attends un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. Ah, putain, oui, d'accord, attends, carrément. Ça va jusqu'à la porte, quoi. Zoé! Zoé, réveille-toi, réveille-toi! Il l'a balancé. Allez, c'est parti, boss de fin. Plus qu'un chien enragé maintenant. L'ordre est venu te piquer. Amène-toi! T'as vu
vie, frangin. Oh bah ça va. Sorry. Mais tu vas voir qu'il est pas encore mort, cet enfoiré. Bah non, mais je m'étonnerais. Zoé, tiens bon. Ça va aller maintenant. Zoé. Zoé. Réveille-toi, Zoé. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je vais bien, t'en fais pas pour moi. C'est fini maintenant. Go, 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 go! On bouge plus! Les mains en l'air! À genoux! Oh non! Ça suffit! Baisse ton arme. Ça va aller. Zoé Baker, c'est ça? À qui a-t-on l'honneur? Chris Redfield. On vous a cherché partout. On vient vous aider. Tu vas t'en sortir. J'ai passé 3 années enfermée avec ces monstres. Ils ont tous essayé de me tuer. J'arrive pas à croire que ce soit fini. Tu sais, quelque part au fond d'eux, il restait ta famille. Et ils t'aimaient. Surtout ton père. Même dans ses derniers instants. On l'a trouvée. Elle encaisse bien. Ouais, bien sûr. Attends. Quelqu'un veut te parler. Zoé. Zoé, tu es là? C'est toi? J'y crois pas. Tu t'en es sorti. Ouais, on a réussi. Tu m'as pas oublié. Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. Merci, Ethan. Bon, voilà.